Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, Magali Potier, je suis la directrice de la Maison de l'Europe de Rennes et Haute-Bretagne, Centre d'information Europe Direct. C'est une association dont la mission est d'éveiller l'intérêt des citoyens pour les sujets européens et de renforcer la citoyenneté européenne. Donc, je vais animer ce soir cette webconférence avec Clara Boudineau, que vous voyez à l'écran avec Madame Houtman, donc qui est volontaire en service civique à la Maison de l'Europe de Rennes. Donc, pour présenter Madame Houtman, qui est donc notre intervenante du jour, je voulais commencer par dire que face à l'urgence climatique, la Commission européenne a pris des engagements, parce qu'elle l'a bien compris, il n'y a pas de temps à perdre. Donc, ces engagements, elle les a adoptés en décembre 2019 par un programme écologique très ambitieux appelé le Pacte vert européen. Donc, le Pacte vert pour l'Europe est l'une des 6 priorités de la Commission européenne qui est présidée par Ursula von der Leyen. Donc, il a pour but de faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici à 2050. Donc, pour nous éclairer sur les questions que prévoit de mettre en place l'Union européenne autour de ces enjeux climatiques, les actions, nous avons donc le plaisir d'accueillir ce soir Madame Anne Houtman, qui est conférencière Team Europe pour le réseau de la représentation en France de la Commission européenne et enseignante à Sciences Po Paris. Donc, bonsoir Madame Houtman. Votre micro, Madame Houtman. Ah, on apprend. Voilà. Bonsoir Magali. Je recommence. Bonsoir Magali. Puis bonsoir à tous ceux que je ne vois pas. Il y en a quelques-uns que j'ai vus. Merci pour cette invitation. Merci aussi à tous ceux qui sont là. On est nombreux. On est 126. C'est un beau succès, je trouve. Merci aussi à Clara, à Laetitia et à Michel et à tous les partenaires qui ont contribué à organiser cet événement. Donc voilà, je suis très contente d'être avec vous, mais je regrette quand même de ne pas être à Rennes. Oui, ce n'est que partie remise, Madame Houtman. Avant de lancer la première question, je rappelle juste aux intervenants qui arrivent de couper bien leur micro et leur caméra, car l'événement est enregistré et sera donc diffusé sur le site internet de l'association dans les prochains jours. Donc, vous pouvez, je rappelle les règles, poser vos questions sur le chat et donc avec Michel, on va récolter ces questions et on les posera au fur et à mesure du débat. Donc, comme je le disais dans mon introduction, les efforts de la Commission en matière de lutte contre le changement climatique se concentrent autour de la mise en place d'un pacte vert européen. Est-ce que, Madame Houtman, vous pouvez nous en dire plus sur ce programme? Merci. Alors, oui. Alors, je peux sûrement en dire plus. Alors, pour moi, le pacte vert, c'est vraiment le projet politique qui fédère l'action de cette commission. C'est vraiment, pour moi, la marque de fabrique de cette commission. Je voudrais rappeler d'abord que c'est la première priorité que Ursula von der Leyen avait mis sur sa plateforme quand elle a présenté sa plateforme politique pour son élection au Parlement européen au mois de juillet de 2019, ça paraît très loin. Et c'est aussi la première grande initiative importante que sa nouvelle commission, qui s'est seulement installée il y a un an, début décembre, a présentée. Donc je vais essayer de vous donner une vue d'ensemble dans ma première intervention. Et puis, on pourra aller dans le détail avec peut-être d'autres questions de Magali. Alors, d'abord, la première question, c'est quel est l'objectif, quelle est l'ambition de ce projet? Alors, on pourrait résumer l'ambition en disant c'est de vraiment transformer toute l'économie de l'Union européenne pour lui assurer d'avoir un avenir qui est plus durable. Et je dirais plus durable au sens large, parce qu'il s'agit d'une part, comme ça a été rappelé par Magali, de faire de l'Europe un continent
sans émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050, mais il y a aussi une vision plus large en termes d'environnement qui concerne les questions de biodiversité, de notre écosystème, à la fois de l'air, du sol, de l'eau, et ça va jusqu'à la question de la santé des citoyens. Alors, pour moi, il y a quatre grands principes qui donnent un peu la philosophie générale, l'approche que prend la Commission européenne sur ce sujet. Et je pense que le premier principe qui a été répété par Mme von der Leyen, je sais qu'elle y tient très fort, c'est cette transition doit s'opérer de façon juste. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas laisser des citoyens des régions sur le carreau. Il faut s'assurer que les personnes, les travailleurs, les régions qui, quelque part, sont un peu perdantes au départ, parce qu'elles vont avoir des transformations plus difficiles, sont soutenues dans cette transformation de façon forte et particulière. Le deuxième principe, c'est qu'on a voulu y associer les citoyens. Alors, déjà, dans la gouvernance qui avait été approuvée en 2018, les États membres ont dû associer les citoyens à la préparation de leurs plans nationaux en matière d'énergie et de climat. Et ici, on a aussi une volonté d'associer les citoyens à l'ensemble des initiatives du Pacte vert. Le troisième élément important, je pense, est que toute cette stratégie se fonde aussi sur une politique industrielle et sur un objectif de croissance, c'est-à-dire on considère qu'on ne va pas mettre la croissance européenne et la sacrifier sur l'autel, disons, des objectifs climatiques. Il s'agit de trouver des synergies entre les deux et d'utiliser les défis climatiques comme une opportunité pour l'économie européenne, pour l'entreprise, les travailleurs et tous les partenaires européens. Et la troisième chose importante dans l'action européenne, c'est un volet très important au niveau international. Il faut rappeler quand même que les émissions de gaz à effet de serre, c'est un problème global, c'est pas un problème local. L'Europe ne représente que 8% des émissions de gaz à effet de serre, donc on a intérêt à y entraîner tous nos partenaires au niveau mondial. Alors, quelle est pour moi, la qualité de l'approche qui a été choisie par la Commission est que ce pacte vert touche en fait tous les secteurs de l'économie et utilise tous les instruments dont dispose l'Europe pour agir. Alors, il couvre tous les secteurs, c'est-à-dire qu'il couvre pas seulement le secteur de l'énergie, donc il faut rappeler que c'est 75% de nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi le secteur des transports, c'est 25% de nos émissions, mais en grande partie à travers l'énergie, l'agriculture, le bâtiment, 40% de nos émissions, mais aussi des secteurs spécifiques comme l'acier, le numérique, le ciment, le textile, etc. Et comme je disais, on va utiliser vraiment tous les instruments qu'on peut. Le premier instrument, c'est évidemment l'instrument budgétaire, et à travers ça, tous les programmes européens en matière de cohésion, de recherche, etc. On va en parler d'ici un instant. L'instrument, évidemment, de la législation, il y aura pas mal de propositions législatives sur la table. On ne serait pas l'Europe si on ne faisait pas du droit. On utilise en plus des instruments budgétaires aussi un instrument extrêmement important pour moi qui est la finance verte, c'est-à-dire essayer de réorienter les milliers de milliards de capitaux disponibles vers des investissements verts. Alors, l'instrument des relations internationales, c'est-à-dire à la fois notre diplomatie, notre politique commerciale et notre politique de développement. Alors, on utilisera aussi des instruments de communication, je l'ai dit, de participation citoyenne, beaucoup d'informations, de protection des citoyens et des consommateurs.
Et puis, on va essayer d'utiliser l'instrument de la fiscalité. Comme vous savez, c'est à l'unanimité, donc ce n'est pas garanti d'avance. On est en train même de revoir les règles de concurrence, à la fois les règles antitrust et les règles en matière d'aide d'État. Et bien sûr, d'autres politiques vont être concernées en matière, par exemple, de cohésion. Alors, peut-être, je peux terminer ma présentation sur ceci. On voit en plus de détails, Magali. Oui. Oui, pour rentrer en détail dans la seconde question. Avant de poser la seconde question, parce qu'on entend des bruits encore parasites, je demanderais aux personnes qui n'ont pas coupé leur caméra, leur micro, de le faire, parce qu'il y a un bruit de fond derrière notre parole qui n'est pas agréable. Donc, si les personnes qui ont les micros ouverts peuvent les couper pour la poursuite du débat, s'il vous plaît. Je vous remercie. Ok, on va poursuivre. Donc, effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, Madame Hautman, on va parler feuille de route, parce que vous venez de nous présenter un programme écologique européen très ambitieux. Concrètement, quelles sont les étapes de mise en œuvre pour atteindre la neutralité carbone en 2050? Il y a peut-être des étapes intermédiaires pour voir l'évolution de la mise en œuvre de ce pacte vert. Alors, vous faites bien de parler d'étapes, parce que sur deux plans, il y a des étapes. C'est-à-dire qu'il y a des étapes dans le sens que pour le moment, ce qu'on a sur la table, c'est essentiellement un projet politique avec un très grand nombre d'actions qui ont été annoncées, certaines qui ont déjà été mises sur la table, mais qui demandent encore des mises en œuvre à travers des propositions législatives. Et puis, il y a encore toute une série d'initiatives qui vont être lancées d'ici l'année prochaine, d'ici probablement même la fin de l'année prochaine. Donc, on n'est pas encore au bout de la mise en place du début de la concrétisation de ce pacte vert. Et comme vous savez, il y a beaucoup d'acteurs impliqués. La Commission fait des propositions, elle doit avoir, si ce sont des propositions législatives, la Commission n'est pas législateur, il faut que le Conseil et le Parlement se mettent d'accord. Et ça m'amène aussi à une troisième question qui est celle des objectifs climatiques qui maintenant sont fixés au niveau le plus élevé, c'est-à-dire au niveau du Conseil européen par les chefs d'État et de gouvernement. Et là aussi, on a des étapes à suivre. Alors, peut-être, je suppose que tous les participants connaissent par cœur les objectifs de 2020, on est en 2020, et on s'était promis pour 2020 de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 20%, et la bonne nouvelle, c'est que on y arrive sûrement, avec peut-être un résultat moins spectaculaire du fait du Brexit, parce que paradoxalement, le fait de retirer maintenant le Royaume-Uni de l'ensemble des 28, on n'est plus qu'à 27, donc le résultat est un peu moins bon, mais on devrait quand même, on est à moins 21% en 2018, donc on a toute confiance d'arriver à notre objectif de moins 20%. Qui sera largement dépassé d'ici la fin de l'année. Et merci aussi un peu le Covid. Et si vous vous souvenez, cet objectif de 20%, c'était accompagné d'objectifs en matière de renouvelables, avec un objectif aussi de 20% de part du renouvelable dans la consommation finale. Cet objectif-là aussi, on va l'atteindre. On est en 2018, ça c'est le dernier chiffre disponible, à 18,9, donc quasiment 19% de part de renouvelables, avec certains pays qui risquent de ne pas atteindre leurs objectifs nationaux, parce que si vous vous souvenez, il y avait des objectifs nationaux. Et puis, le troisième objectif qu'il y avait, et qui est vraiment une priorité européenne, c'était la réduction de la consommation d'énergie. Et là, l'objectif était de réduire de 20% notre consommation d'énergie par rapport à des projections qui ont été faites à partir de 2005 vers 2020
en imaginant qu'on continuait comme avant, ce qu'on appelle business as usual. Et là, il s'agissait d'être 20% en dessous. Pour le moment, on est plutôt sur les 16,5%, ça ce sont les chiffres de 2018, et le Covid va peut-être nous permettre d'atteindre tout juste le moins 20%, mais ça va être difficile. On avait aussi un objectif d'interconnexion des réseaux électriques qui est important parce que, comme on le verra plus tard, la question de l'électricité est vraiment fondamentale et on avait un objectif d'interconnexion des réseaux d'électricité de 10% de la capacité. Et pour le moment, tous les États membres, sauf l'Espagne, la Chypre et la Pologne, ont atteint ces objectifs. Ce qu'on avait aussi comme objectif en tant qu'Union européenne, c'était d'avoir une part du budget européen consacré à la lutte contre le réchauffement climatique de 20%. Et on est, pour 2020, on va être à 21%. Et en moyenne, sur la période financière, c'est-à-dire les 7 années de 2014 à 2020, on va être à 19,7%, donc quasiment à 20%. Alors, ensuite, on a cet objectif de neutralité carbone à 2050. Et je voudrais peut-être expliquer ce que c'est aussi la neutralité carbone, parce que ce n'est pas toujours clair. D'abord, on parle de neutralité carbone. En réalité, il s'agit de neutralité pour toutes nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, le carbone est le principal. Ça doit faire 82% de nos émissions. Il y a beaucoup de méthane aussi, les gaz fluo, etc. Donc, cette neutralité porte tous les gaz à effet de serre. Et la neutralité, ça veut dire que les émissions qui restent, et il en restera en 2050, devront être compensées par une séquestration de ces émissions, en particulier par les puits de carbone, ce sont essentiellement les forêts et les océans, d'où d'ailleurs une préoccupation particulière par rapport à tous ces feux de forêt qui, paradoxalement, sont rendus plus nombreux et plus graves par le réchauffement climatique. Donc il y a cet effet boule de neige qui en fait est assez effrayant. Alors, pour arriver à cette neutralité carbone, alors peut-être il faut aussi dire que la raison pour laquelle on a fixé cet objectif, parce que vous vous souvenez, c'était pas un objectif qu'on avait fixé quand on a fixé nos objectifs à 2030. En réalité, au moment de la conférence de Paris, on avait fixé un objectif de réchauffement climatique de 2%, de 2 degrés centigrades, pardon, avec un accord qui prévoyait qu'on reste bien en dessous des 2 degrés et qu'on fasse des efforts pour ne pas dépasser 1,5 degré centigrade. Et l'accord de Paris demande un rapport au GIEC sur les effets d'un réchauffement d'un degré et demi centigrade. Et ce rapport a été publié en novembre 2018 et c'est à cette occasion que le GIEC a indiqué que les conséquences d'un réchauffement d'un degré et demi centigrade étaient déjà des conséquences extrêmement graves et irréversibles et que donc c'était un objectif essentiel. Et pour atteindre cet objectif de limite à 1,5 degré centigrade, il est essentiel d'atteindre d'ici le milieu du 21e siècle cette neutralité climatique. Neutralité carbone, on l'appelle comme on veut. C'est un objectif pour tous les pays et d'ailleurs, le Parlement européen a demandé qu'il s'applique individuellement à tous les États membres. Alors, comme vous dites, il va y avoir des étapes intermédiaires et c'est ce que va décider le Conseil européen à la fin de l'année. On avait décidé de proposer 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 2030. Ça, c'était avant la conférence de Paris, avant la COP21. Et entre-temps, on a eu ce rapport du GIEC. Donc, on va devoir relever notre objectif intermédiaire pour atteindre cette neutralité climatique. La Commission a proposé 55%. Le Parlement européen s'est prononcé en octobre sur 60%. Et c'est le Conseil européen qui décidera donc à la fin de l'année si c'est 55 finalement ou peut-être 60, on peut espérer 60. Et à cause de ça, on va aussi devoir revoir les objectifs
intermédiaire qu'on avait déjà fixé pour le renouvelable, on avait fixé 32% en 2030, on va probablement devoir relever cet objectif. Et on avait jusqu'à présent fixé un objectif d'efficacité énergétique de 32,5% en 2030, et on va aussi probablement devoir être plus ambitieux sur cet objectif. Alors, comment on va y arriver? On va y arriver avec toute une série d'actions que le Pacte vert fixe dans une sorte de feuille de route qui contient une cinquantaine d'actions. Alors, je ne vais pas toutes vous les mentionner et surtout pas toutes les détailler parce qu'on en a pour quelques jours. Et je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc vous m'arrêtez quand vous trouvez que j'ai parlé trop longtemps. Magali, vous êtes la maîtresse de mon temps. Oui, alors, justement, je voudrais rebondir parce que comme vous êtes sur l'information, l'explication de la neutralité carbone, on a une question sur le chat que je peux vous livrer. Je cite, « Je comprends l'importance de la neutralité carbone, mais cela me semble insuffisant. » Quid de la gestion des ressources et de l'organisation d'une croissance supportable pour la planète sustainable growth? Pardon pour mon anglais approximatif. Est-ce que vous avez une réponse à apporter, Madame Outman? Alors, moi, je suis de formation scientifique, donc j'ai tendance à me baser sur les rapports des scientifiques, c'est-à-dire sur le rapport du GIEC. Et le rapport du GIEC, qui est quand même extrêmement sérieux quand on voit la façon dont se forment les conclusions de ces rapports, considère, en tout cas pour le moment encore, que la neutralité est ce dont on a besoin. On pourra peut-être faire mieux, mais je pense que ce sera difficile de faire mieux, et je peux aussi expliquer peut-être plus tard qu'il y a vraiment certaines activités qui n'est pas possible de décarboner. Et en tout état de cause, il restera toujours des émissions de méthane qui viennent, par exemple, des animaux. Donc, il y a certaines émissions sur lesquelles on a quand même peu de pouvoir direct. Donc, je pense que la neutralité doit rester. Bien sûr, on voudrait limiter nos émissions à zéro, mais je pense que c'est un peu irréaliste quand même. Alors, je passe à la feuille de route. Bon, alors je peux, si la personne a besoin de... En quelques lignes, oui. Oui, et comme j'expliquais tout à l'heure, si quelqu'un souhaite plus d'explications, je suis toujours prête à donner plus d'explications en bilatéral et éventuellement mieux expliquer, parce que je ne peux pas donner des explications très longues sur chaque question, d'autant plus qu'il y a vraiment beaucoup de sujets, ce qui d'ailleurs pour moi est toujours très effrayant, parce que je ne suis pas une spécialiste de tout. Ma spécialité, c'est l'énergie. Donc, dans les autres sujets, je vais faire de mon mieux pour ne pas dire trop de bêtises, et j'espère que les spécialistes de ces sujets-là me pardonneront. Alors, le Pacte vert, il a été adopté donc, en décembre 2019. Il a été suivi assez rapidement d'un plan d'investissement au mois de janvier, mais ce plan d'investissement a été complètement bouleversé par la crise du Covid. Donc, je vais plutôt m'attarder tout à l'heure sur les questions budgétaires en tenant compte des fonds supplémentaires de la crise Covid. Alors, un élément du plan rapidement aussi en janvier, c'est le mécanisme pour une transition juste, dont on peut aussi parler plus en détail tout à l'heure. Je pense que Clara avait des questions sur ce sujet. Alors, la Commission a aussi lancé, dans cette idée d'associer les citoyens, elle a lancé un pacte climat avec une consultation publique qui s'est achevée en juin, qui a été suivie d'un tas de webinaires, malheureusement avec le Covid, de plateformes de discussion avec les organisations qui s'intéressent au sujet. La Commission a aussi mis une proposition assez inhabituelle qu'on appelle la loi climat, qu'elle a proposée au mois de mars. Ça, c'est un peu pour les éléments de politique générale horizontale qui ont déjà été mis sur la table. Et en préparation, il y a toute une série d'autres mesures, comme la révision du système d'échange de quotas d'émissions, la révision évidemment du règlement qui répartit l'effort entre les États membres pour toutes les activités qui ne sont pas couvertes par le système d'échange de quotas. Il va y avoir probablement aussi éléments
très important pour la politique internationale, c'est un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ça, c'est aussi une première. Ça ne va pas être facile, mais j'aimerais pas être de service qui prépare la proposition. Mais on attend une proposition d'ici l'été prochain sur ce sujet. Il va y avoir aussi une stratégie pour l'adaptation au changement climatique. C'est un des sujets qu'on doit préparer aussi pour la COP26 de l'an prochain. Il va y avoir encore d'autres propositions sur la finance verte, avec la nouvelle taxonomie sur laquelle la Commission est en train de consulter sur son projet, avec aussi une nouvelle directive sur la présentation des informations non financières. On va essayer aussi dans le domaine de la fiscalité de modifier une vieille directive de 2003 sur la taxation des produits énergétiques, de nouveau unanimité. Mais j'invite tous les gens qui veulent comprendre à quoi aboutit l'unanimité dans les décisions au Conseil à regarder la directive sur la taxation des produits énergétiques de 2003, qui est le résultat d'un marchandage qui a duré des années et qui est une directive qui n'a pas beaucoup de sens, qui est pleine d'exceptions, de dérogations, où la Belgique a une exception pour les yachts privés, d'autres pays pour leurs tracteurs agricoles, etc. On va essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont se faire, évidemment, dans le domaine de l'énergie et des transports, parce que c'est là que sont l'essentiel de nos émissions de gaz à effet de serre. La Commission a déjà mis sur la table un projet qui est vraiment très important, même si on n'en parle pas beaucoup. C'est une stratégie pour une intégration sectorielle intelligente du système énergétique, avec en complément de cette stratégie, une stratégie pour le développement de l'hydrogène vert. Elle a mis sur la table une stratégie aussi pour les renouvelables offshore. Alors, les renouvelables, ce n'est pas seulement offshore, ce n'est pas seulement l'éolien, c'est pour le moment beaucoup de l'éolien, mais c'est aussi à terme de nouvelles énergies en mer, comme les énergies à base, qui se basent sur les courants, qui se basent sur les marées, sur les vagues. Et aussi même du photovoltaïque flottant en mer. Donc, c'est l'ensemble de tout ce potentiel qu'il y a offshore. Elle a mis aussi sur la table une stratégie sur le méthane, qui est également importante pour pour l'aspect international de notre stratégie, parce qu'une bonne partie des émissions de méthane sont des émissions de méthane qui sont liées à nos importations et qui ont lieu en dehors de l'Union européenne. Elles ne sont pas comptabilisées dans nos émissions de gaz à effet de serre, mais en réalité, comme on importe 53% de l'énergie qu'on consomme, donc essentiellement du gaz, du pétrole, un peu de charbon, mais surtout du gaz et du pétrole, il y a énormément d'émissions de méthane qui se font au lieu de production et sur les pipelines qui acheminent le gaz et le pétrole vers l'Europe. Alors, en cours de révision pour le moment, oui. Vous voulez on a quelques questions qui arrivent. Donc, c'était pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux énergies. Donc, on a deux questions qui peuvent être posées sur cette première partie et après on enchaînera sur la deuxième partie parce qu'il y a quelques questions qui arrivent sur le budget et on avait prévu d'aborder cette question. Donc, si je peux me permettre, Madame Houtman, juste vous dire deux questions arrivées sur le chat par rapport à ce que vous disiez. Donc, parce que vous avez rappelé à juste titre l'unanimité nécessaire au sein du Conseil concernant l'adoption d'une fiscalité carbone, pensez-vous que les États surmonteront leurs divergences ? Et l'autre question était, y a-t-il des énergies alternatives à l'étude pour remplacer les énergies actuelles ? Alors, pour la question de l'unanimité, moi, je peux juste vous dire qu'on croise les doigts comme ça. Alors, il faut savoir que la Commission a déjà essayé, je crois, en 92, de mettre sur la table une proposition de taxation du carbone. À l'époque, c'était uniquement sur les produits pétroliers. Elle a fini par la retirer, je crois, en 97. En 2011, la Commission a fait une nouvelle proposition pour essayer d'avoir une taxe carbone. Son idée, c'était de restructurer la fiscalité des produits énergétiques pour lui donner un sens, si on veut, c'est-à-dire d'avoir une taxe
sur les produits énergétiques, avec une partie clairement liée aux émissions de carbone et l'autre partie liée au contenu énergétique du produit. Et après, je crois, 4 années de négociations, en 2015, on a fini par retirer cette proposition. On va essayer. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà dans beaucoup d'États membres des taxes carbone. Donc, ça n'empêche pas le fait qu'il n'y ait pas au niveau européen une taxe carbone. C'est-à-dire, en réalité, quand on dit une taxe carbone européenne, c'est un minimum harmonisé de fiscalité des produits énergétiques basés sur les émissions de carbone. Ça n'empêche pas les États membres, eux, d'introduire des taxes carbone. Mais d'un point de vue marché intérieur, concurrent, etc., ce serait beaucoup mieux qu'il y ait plus d'harmonisation de cette taxe. Donc voilà pour l'unanimité. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas prévoir. Alors, sur l'énergie, oui, on travaille énormément. Il y a énormément de travail qui est fait au niveau européen en matière de recherche-développement sur différents types d'énergie. Il y a de la recherche aussi qui se fait sur les compléments nécessaires aux nouvelles énergies renouvelables et comme parmi les énergies renouvelables comme l'éolien en particulier et le photovoltaïque, on a ces énergies qui sont intermittentes, donc variables. Ça veut aussi dire qu'on a besoin de solutions de stockage, d'autres solutions de flexibilité et de gestion du réseau électrique. Donc, il y a beaucoup de recherches là-dessus sur des domaines où l'Europe est assez avancée, tout ce qui est réseau intelligent. Et dans le domaine des renouvelables, il y a des domaines où l'Europe a un peu perdu, c'est-à-dire dans la fabrication de panneaux photovoltaïques. En même temps, le fait d'avoir des importations de panneaux photovoltaïques très bon marché a aussi permis une grande diffusion au niveau européen et une plus grande accessibilité des citoyens à ces panneaux solaires. Et il faut aussi toujours rappeler que quand on regarde toute la chaîne de valeur des panneaux photovoltaïques, la valeur ajoutée en Europe en termes d'installation, d'architecture, d'ingénierie, d'entretien de ces panneaux, cette valeur ajoutée est plus importante en Europe que dans les pays producteurs, en l'occurrence la Chine. Par contre, l'Europe est certainement très avancée par rapport aux autres pays du monde dans tous les domaines de l'énergie offshore et de la production d'hydrogène vert. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. La géothermie, pour moi, une des sources qui est la plus sous-utilisée et pour laquelle l'Europe a aussi beaucoup d'atouts, à la fois en termes de technologie et de potentiel de production, par exemple, pour le chauffage des habitations. Bon, c'est un très sujet inévitable. Hein. Oui. Alors, on va passer à la deuxième partie, parce que le temps s'écoule. Par rapport à une question qui revient... qui est d'actualité et qui revient là dans le chat. Donc là, vous venez de nous présenter un programme écologique assez ambitieux porté par l'Union européenne. Mais quel sera le montant prévu ? Est-ce suffisant ? Et pouvez-vous nous éclairer par rapport au récent blocage de la Hongrie et de la Pologne ? Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas encore l'unanimité sur le budget pluriannuel peut freiner sérieusement l'application de ce programme ? Oups, ok, tout ça. Ok, donc je vais essayer de vous éclairer de façon rapide, parce que moi je vois que le temps passe à toute vitesse, mais le sujet est gigantesque. Alors, sur le plan du budget, je vais peut-être être assez rapide sur le sujet, parce que je pense que ce qui est important de se souvenir sur, on peut revenir après sur les questions spécifiques des programmes détaillés, mais je pense que ce qui est important de retenir du budget, c'est qu'on a pour le moment sur la table
un accord entre le Conseil et le Parlement, donc entre la présidence du Conseil et le Parlement, qui attend l'accord définitif avec le blocage, je peux en dire deux mots, sur d'abord le cadre financier pluriannuel. Et dans le cadre financier pluriannuel, on a un montant de 1 074 milliards d'euros. Et puis, on a ce volet du plan de relance qui s'appelle Next Generation Europe, pour lequel, ça c'est une grande nouveauté, la Commission va emprunter sur les marchés 750 milliards d'euros. Donc, au total, on a à peu près 1824 milliards d'euros. Alors, dans la décision du Conseil européen de décembre dernier, de juillet, qui s'est terminée le 21 juillet, le jour de la fête nationale belge, les États membres se sont mis d'accord sur le fait de consacrer 30% de ce budget, donc du total du budget du cadre financier pluriannuel et du plan de relance, 30% vont être consacrés à la lutte contre le changement climatique. Et ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que dans ces conclusions du Conseil, il y a une autre disposition, pour moi, extrêmement importante, et qui est le principe du no harm, c'est-à-dire que les autres 70% du budget ne peuvent pas aller à l'encontre des objectifs de l'accord de Paris. Et donc, ça veut dire qu'on va excusez-moi, madame. Pardon, je suis désolée de vous couper, Magali, mais... C'est réglé, Magali. Merci. OK, pas de souci, merci. Petit souci technique. Oui, je vous laisse continuer. On a des bruits parasites arrivant de personnes qui se connectent à la conférence par téléphone, parce que c'est possible. Mais continuez, Madame Houtman. OK. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais expliquer? Ah oui, alors, là, vous me dites, bon, il y a un blocage. Alors, il y a effectivement un veto qui a été mis. Alors, c'est un peu triste parce que on était tout contents d'avoir vu un accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que, après l'accord des chefs d'État en juillet, le gros risque, c'était de voir un blocage au niveau du Parlement européen. Or, grand succès, la présidence allemande était parvenue à un accord avec le Parlement européen. Mais 12-3 de juste après, le blocage des Hongrois et des Polonais, qui en réalité est dû au fait que l'accord intègre une demande du Parlement européen qui porte sur le mécanisme de l'état de droit. Et le Parlement européen a encore dit hier en plénière, ils se sont prononcés à la majorité pour dénoncer ce veto hongrois et polonais et confirmer qu'ils ne voulaient pas renégocier la question du mécanisme d'état de droit. Alors, pour le moment, ce que je dirais, c'est la pression monte sur la Hongrie et la Pologne, qui d'ailleurs, entre parenthèses, sont soutenues discrètement par la Slovénie. Comme vous disiez, ça montre évidemment l'inanité de l'unanimité, comme je l'appelle toujours. Alors, personnellement, je pense que pour le cadre financier pluriannuel, au cas où on n'arrive pas d'ici le Conseil européen de décembre, je crois que c'est les 10 et 11 décembre, on va avoir un nouveau Conseil européen, si on n'a pas là un accord unanime des États membres, on va vivre probablement, comme on a déjà vécu dans le passé, sur ce qu'on appelle les 12e provisoires. C'est-à-dire qu'on projette le budget précédent dans la période suivante et chaque mois, on a droit à dépenser un 12e du budget de l'année précédente. Donc, ce n'est pas qu'on va complètement arrêter, ce n'est pas comme aux États-Unis quand il y a un blocage sur les budgets où tout s'arrête. En Europe, on a quand même un mécanisme qui nous permet de respirer un peu entre-temps. Alors, pour ce qui est de Next Generation Europe, je pense que c'est un gros problème parce que là, il y a urgence à cause de la crise du Covid, mais il faut aussi se souvenir que
les financements vont se faire sur base de plans de relance nationaux et que le délai pour les plans de relance nationaux, c'est au mois d'avril et qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore fini de préparer les plans de relance qui vont leur permettre d'obtenir des financements européens. Et donc, bon, on a quand même encore un peu d'air et d'air de respiration, disons, entre nous, mais entre-temps, l'Europe est quelque part prise en otage par deux ou trois pays. Et ce qui est aussi frappant, c'est que ce sont aussi surtout les citoyens hongrois et polonais qui, normalement, sont les grands bénéficiaires de ce type de programme, qui sont pris en otage par leur gouvernement. Pour rebondir sur cette partie sur le budget, je vais prendre une question qui est arrivée sur le chat avant de passer la main à Clara. Donc la question est, la difficile négociation du budget européen, le CFP 2021-2027, couplé avec le plan de relance Next Generation EU, pour un total de 1,8 milliards d'euros, prévoit de nouvelles ressources propres, dont une taxe sur les plastiques. Est-ce une chance de succès? C'est un point d'interrogation. Alors donc, les ressources propres, il faut savoir d'abord que on a déjà des ressources propres traditionnelles, donc les droits de douane, les prélèvements sucre. On a eu récemment aussi une modernisation du système qui est basé sur un prélèvement d'assiette de TVA. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand même le Conseil européen de juillet de cette année a à l'unanimité donné son accord à une réforme de ce système de ressources propres avec l'introduction de nouvelles ressources propres. Et c'est aussi écrit noir sur blanc dans les conclusions du Conseil que dès le 1er janvier 2021, une des ressources propres sera une part des revenus d'une contribution nationale qui va être calculée sur base du poids des déchets d'emballage plastique non recyclés. Alors, il y a plus que ça. Parce que dans les conclusions, le Conseil européen s'est aussi mis d'accord pour que dans le futur, probablement à partir de 2023, la Commission doit encore faire des propositions législatives sur ces sujets, on aura la possibilité d'utiliser en tout ou en partie les revenus de ce fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Aussi, la Commission va faire des propositions, et c'est prévu dans les conclusions du Conseil européen, sur une redevance numérique. La Commission est aussi en train de revoir le système d'échange de quotas d'émissions. Et le système de quotas d'émissions, ça apporte des revenus, puisqu'on met des permis d'émettre, si on veut, aux enchères. Donc, il y a des revenus importants de ce système. Et une des possibilités, c'est qu'une partie des revenus serve aussi comme ressource propre dans le budget européen. Je ne suis pas sûre que tous les États membres vont être d'accord, parce que pour le moment, eux l'utilisent d'ailleurs plutôt bien, puisque je crois que pour le moment, les États membres utilisent jusqu'à en moyenne 70% de ces revenus pour de nouveaux investissements dans la lutte contre le changement climatique. Et puis, je crois, en dernier lieu, il est prévu aussi dans les conclusions du Conseil européen que pour le nouveau cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire après 2027, il y a une possibilité de taxe sur les transactions financières, qui est un sujet qui a été beaucoup demandé en France. Mais on est encore loin, là. On parle du prochain cadre financier pluriannuel. Donc voilà pour les ressources propres. En résumé, merci Madame Houtman. Je passe la main à Clara qui va aborder la troisième partie. Oui, alors Madame Houtman, j'aurais voulu vous poser une question. Donc ma première question découle d'un constat, c'est qu'il est quand même assez décevant, voire décourageant de voir que face aux urgences climatiques, les chefs d'État ne réussissent pas à se mettre d'accord.
Je pense notamment à la dernière COP25 qui avait été organisée à Madrid en décembre 2019. Et voilà, j'aurais aimé savoir si, face aux difficultés, les chefs d'État vont arriver à s'entendre et est-ce que le pacte vert de la Commission va enfin réussir à apporter des solutions concrètes. Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais si vous avez quelques éléments de réponse. Mais non seulement je n'ai pas de boule de cristal, mais je suis aussi une optimiste. Alors, votre question, elle est quand même assez large, parce que d'abord, il faut savoir que entre il faut dire que la COP21 a quand même été un succès énorme. Donc, c'est déjà avoir 195 pays qui se mettent d'accord à l'unanimité sur un texte comme celui de l'accord de Paris, c'est quand même, je veux dire, c'est proche du miracle pour moi. Entre-temps, on a eu d'autres COP. On a eu une COP à Katowice en Pologne pour laquelle on a quand même pas mal avancé sur, comment on appelle ça, un recueil de règles, le rulebook de Katowice, le recueil de règles de Katowice. Alors, l'échec de Madrid porte sur quand même un sujet extrêmement technique, extrêmement délicat, qui est la question de la coopération volontaire entre les parties de l'accord de Paris pour pouvoir faire des transferts de résultats entre parties. C'est-à-dire que, pour dire les choses simplement, les bons élèves qui dépassent les objectifs qu'ils ont fixés dans leurs NDCs, donc les Nationally Determined Contributions, les contributions déterminées au niveau national, donc ceux qui vont au-delà de leurs engagements, pour dire simple, pourraient échanger leur surplus, entre guillemets, avec des pays qui n'arrivent pas à atteindre leurs engagements. Donc, pour pouvoir faire marcher un système comme ça, il faut pouvoir s'assurer que, d'abord, de la réalité, de la réalisation de ces objectifs, il faut tout un système de transparence, un système de règles comptables, de gouvernance, et c'est là-dessus que les partis ne sont pas arrivés à se mettre d'accord. Mais personnellement, comme je disais, c'est difficile parce qu'ils sont 195 autour de la table à se mettre d'accord à l'unanimité. Bon, déjà, on a du mal en Europe, malheureusement. Mais personnellement, je suis plutôt optimiste. D'abord, on a eu les élections aux États-Unis. Et les engagements qu'a pris le futur président des États-Unis sont quand même plutôt encourageants. Il a une feuille de route plutôt encourageante. Il prévoit par exemple dans le secteur électrique une neutralité carbone à 2035, ce qui est très ambitieux. John Kerry a clairement dit Paris, c'est pas suffisant. La Chine s'est engagée récemment à atteindre la neutralité climatique à 2060, il y a de grands projets en Australie, je veux dire, ça bouge. Et pour moi, il y a quand même tous les pays du monde qui s'interrogent. Et je pense que ce qui est très positif, c'est que l'équation a vraiment beaucoup changé en termes de coûts-bénéfices. C'est-à-dire que le coût des technologies propres a énormément baissé, donc ça devient beaucoup plus accessible et dans beaucoup de pays, il est beaucoup moins cher d'utiliser maintenant des énergies renouvelables que d'installer des centrales au gaz ou au charbon, encore pire. Je pense qu'il y a beaucoup de pays aussi qui comprennent qu'en termes de sécurité d'approvisionnement, ils gagnent en indépendance à développer le renouvelable sur leur terrain. Et puis, c'est devenu vraiment un enjeu industriel. Toutes les technologies propres, c'est devenu vraiment une industrie extrêmement importante qui croît extrêmement vite. Donc, il y a un enjeu de compétitivité entre parties du monde qui, je crois, fait bouger les lignes. Et on voit qu'aux États-Unis, malgré tous les blocages que Trump a pu mettre sur les questions climatiques, en réalité, il s'est quand même passé beaucoup de choses dans certains États avec des initiatives privées en matière de solaire, d'éolien, de batteries, sur des énormes batteries sur les réseaux électriques, etc. Alors, sur la question du pacte vert,
il y a déjà quand même un consensus sur les grands objectifs du pacte vert. Et il y a certainement une volonté croissante par rapport à tous les outils traditionnels. Et on va beaucoup travailler, nous, avec nos outils pour l'international, pour revenir un peu à l'international, puisque je disais tout à l'heure que l'international est quand même un volet important du pacte vert. Il faut savoir que, par exemple, l'Europe a une force de frappe gigantesque au niveau international. Parce que l'Europe, ce sont près de 3000 ambassades réparties dans le monde. Si on additionne les ambassades européennes et les ambassades de nos États membres, 3000 ambassades réparties dans le monde, et entre lesquelles il y a ce qu'on appelle un réseau vert, qui est d'ailleurs le réseau qui avait été activé pour faciliter l'accord à la COP21 à Paris. Donc c'est un réseau de personnes dans toutes ces ambassades qui travaillent sur le terrain, avec les acteurs du terrain, avec les politiques dans tous ces pays, pour s'assurer que l'accord de Paris est mis en œuvre, pour assurer le suivi, pour relever les ambitions. L'outil de ce mécanisme de carbone aux frontières, ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, est aussi un outil qui va être un outil incitatif pour nos partenaires commerciaux pour relever leurs émissions. Parce que l'idée, quelque part, de cet outil est de mettre sur un pied d'égalité les producteurs européens et les producteurs de pays tiers. Et donc, ça va évidemment inciter les producteurs de pays tiers de produire de façon plus conforme à l'accord de Paris. Et ça va éviter que l'Europe se fixe des objectifs ambitieux et puis en réalité importe énormément, outre le fait qu'elle délocalise des activités industrielles dans d'autres pays, ce qui n'arrange pas le climat, mais en plus de ça, elle importe des biens qui ont une empreinte carbone importante. Donc ça, c'est aussi un élément pour moi extrêmement important. Alors, si je peux me permettre, Madame Houtman et Clara, parce que j'ai accès aux questions et ce que vous dites, il y a deux questions qui peuvent en former qu'une par rapport à nos relations avec les pays extérieurs de l'Union européenne, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis. Comment les relations vont se passer avec le Royaume-Uni, avec les États-Unis? Quelle position va prendre l'Union européenne avec ces pays? Mais c'est un peu. Alors, il faut savoir quand même que le Royaume-Uni est un des pays qui, depuis la période de référence, a le plus. Donc, la période de référence, ça veut dire 1990. C'est un des pays d'Europe, c'est en tout cas parmi les grands pays d'Europe, le pays qui a le plus diminué ses émissions de carbone. Comme je disais tout à l'heure, enfin, je ne sais pas si je l'ai dit ou si j'ai oublié de le dire, mais notre bilan en termes de réduction des émissions à 2020 est moins bon que si on avait regardé ce bilan avec le Royaume-Uni. Donc je ne pense pas que c'est un problème. Alors, les questions qui se posent, ce sont des questions qui sont liées, par exemple, à la façon dont on va connecter nos systèmes d'échange de quotas d'émissions. Donc, le Royaume-Uni, en sortant de l'Union européenne, sort du système d'échange de quotas d'émissions. Et donc, il va probablement reconstruire un système national qui serait intelligent pour avoir plus de liquidité dans le système, de reconnecter, comme les Suisses viennent de le faire, de reconnecter au système européen. Il est aussi question d'essayer de reconnecter. Alors ça, c'est une des questions qui est beaucoup discutée pour le moment par les chercheurs. J'ai assisté à plusieurs conférences et à plusieurs débats sur ces questions. Ce sont tous les problèmes techniques qui se posent pour connecter ensemble des systèmes d'échange de quotas. Et aux États-Unis, par exemple, en Californie, il y a un système d'échange de quotas. Alors, on discute en bilatéral avec nos partenaires, et puis il y a toutes les réunions multilatérales qui sont toutes ces réunions des parties au niveau annuel, mais qui sont préparées en amont par des équipes
Et puis, on a avec les États-Unis un dialogue sur les questions de l'énergie, par exemple, avec des projets communs dans le domaine de l'efficacité énergétique, par exemple, du matériel de bureau, des choses très concrètes qui se passent avec tous les grands pays du monde. On fait ça avec la Chine, on fait ça avec le Japon. Le Japon, qui est un pays qui a beaucoup de choses en commun avec l'Union européenne, dans le sens que c'est un pays qui est aussi très dépendant des importations. Donc, il y a une vision assez proche de la nôtre en termes d'énergie. Ouais. Je ne sais pas, on peut être plus long, mais je vois que le temps passe. Donc, Non, c'est bon, on va passer à la question suivante. Oui, alors Madame Houtman, vous parliez de l'Union européenne qui importe de bonnes pratiques dans les pays tiers. Est-ce qu'en attendant que, par exemple, les pays en voie de développement ou que certains pays mettent en place ces pratiques, est-ce qu'en attendant, dans le cadre du pacte vert, il y a des mécanismes de solidarité pour venir en aide peut-être aux pays en voie de développement qui font face aux conséquences du réchauffement climatique? Ok. Alors, comme j'ai dit, la présidente de la Commission tient à ce que la transition soit une transition juste, et ça s'applique aussi bien à l'intérieur de l'Union qu'à l'extérieur de l'Union. Alors, si vous me permettez, je voudrais quand même dire qu'à l'intérieur de l'Union, on a donc ce mécanisme pour une transition juste, avec un fonds qui est dédié à ce mécanisme, donc il y a un fonds pour la transition juste, pour lequel la Commission avait proposé 40 milliards d'euros. En fin de compte, on en aura 17,5 plus 1, je crois, grâce au Parlement européen, on va avoir 18,5 milliards. On a aussi mis en place une facilité de prêt au secteur public avec la BEI, et on a une plateforme qui permet d'aider les pays en transition, donc des pays qui ont des régions qui sont très dépendantes du charbon, des activités liées au charbon, des industries lourdes qui sont très intensives en énergie et donc en émissions de gaz à effet de serre. Donc, on essaie d'aider ces régions avec aussi une plateforme pour les aider à reconvertir leur économie, proposer les aider à monter des projets, notamment pour produire du renouvelable. Alors, il faut aussi savoir que dans les règles de gouvernance qui ont été adoptées en 2018, donc les États membres devaient présenter ces plans nationaux énergie-climat, et là-dedans, ils devaient présenter des plans pour la réduction de la pauvreté énergétique. Donc, le travail sur la pauvreté énergétique est un travail qui doit être fait, c'est une obligation des États membres, qui est suivi de très près au niveau européen. On a même un observatoire de la pauvreté énergétique. Alors, il faut savoir que dans le système d'échange de quotas d'émissions, on a aussi un fonds d'innovation et de modernisation qui recueille 2% des revenus des mises aux enchères des permis. 2% selon le prix du carbone, bon, pour le moment, il est autour de 26 euros. Disons entre 20 et 30 euros, ça donne plus ou moins un revenu de 6,2 à 9,3 milliards d'euros par an. Alors, pour le reste du monde, il y a beaucoup à dire. Et il faut se souvenir que d'abord à Copenhague, c'était la COP 15 en 2009, les pays développés s'étaient engagés à mobiliser 100 milliards par an de financement privé et public pour aider les pays en développement. Pour le moment, l'Europe est le plus gros contributeur d'argent public pour les pays en développement. L'Europe, en 2018, par exemple, a consacré 21,7 milliards d'argent public uniquement pour la question climatique, donc je ne parle pas de l'aide au développement, qui est beaucoup plus important. Je crois que l'aide au développement, si ma mémoire est bonne, c'est 74 milliards d'euros, la dernière fois que j'ai vu les chiffres. Alors, il faut aussi savoir que l'Europe a lancé une plateforme avec plusieurs pays. Il y a pour le moment, je crois, une quinzaine de pays. Là, il y a l'Argentine, le Canada, le Chili, la Chine, l'Inde, le Kenya, le Maroc, j'en oublie. Pour justement
développer une finance durable qui permette justement, avec des capitaux privés et des capitaux publics, de promouvoir l'action pour le climat, de promouvoir aussi des échanges de bonnes pratiques. On a aussi, si vous vous souvenez, dans ce domaine qui me pensait des échanges de bonnes pratiques, c'est aussi la Convention des maires qui est une initiative initialement au niveau européen où on rassemblait des maires de grandes villes, de grandes villes et de moyennes villes sur la question climatique pour les aider dans leurs engagements climatiques et justement partager des expériences locales. Cette initiative, elle a maintenant été élargie au niveau mondial. Donc, on a aussi au niveau mondial, y compris dans les pays en développement, des villes qui font partie de cette plateforme et qu'on aide sur le plan technologique avec des transferts d'expériences, de projets, etc., pour atteindre leurs objectifs. Je crois que ça résume un peu dans le temps imparti, puisque je vois le temps qui avance. Je ne sais pas si vous êtes. Oui. J'ai répondu à votre question. Oui, on gère les questions. Je reprends la main parce qu'on arrive déjà à la quatrième partie qui est donc le temps des questions-réponses. Je vais vous poser une question et puis l'idée c'est de faire des réponses assez courte, même si le sujet, je sais que c'est un exercice difficile que je vous demande, mais je rappelle, comme on le disait au tout début, les questions qui ne pourront pas être posées ce soir seront envoyées à Madame Woutman et on fera un document récapitulatif qui sera diffusé sur notre site internet. Vous serez bien sûr prévenu. Si je peux ajouter une chose, les réponses pourraient aussi être très brèves parce que je suis pas sûre de pouvoir répondre à tout. Donc, les questions auxquelles je ne peux pas répondre sont aussi incluses dans la vision de la maison de l'Europe. Pas de souci. Donc, la première question, c'est vous n'avez pas parlé de la biodiversité, un des grands objectifs du Green Deal, une source de débat, notamment par sa présence dans plusieurs secteurs. Pensez-vous une bonne application des futures normes par les États? Nous avons vu certains écarts par le passé, comme la France concernant la chasse d'oiseaux protégés. Est-ce que vous avez... C'est pas... Alors... Sinon, je peux... Oui, allez-y. Non, mais... Alors, c'est clair que... Alors, il y a déjà, il faut savoir, une proposition qui a été mise sur la table d'une stratégie pour la biodiversité, donc qui fait partie du Green Deal, du plan du Pacte Vert, c'était au mois de mai, où effectivement la Commission constate qu'on a un véritable problème avec la population globale, par exemple, d'espèces sauvages qui a diminué de 60% dans les dernières 40 années, avec 1 million d'espèces qui sont à risque, etc. Et la stratégie, essentiellement, elle se concentre sur, je dirais, quatre volets, pour résumer rapidement. D'abord, l'établissement de zones protégées, à la fois de zones terrestres, mais aussi de zones maritimes protégées, qui devraient couvrir 30% des terres européennes, 30% des zones maritimes européennes, avec des règles en matière de protection beaucoup plus strictes, définies au niveau européen. Le deuxième volet de cette stratégie porte sur la restauration des écosystèmes qui ont été dégradés, aussi de nouveau à la fois pour ce qui est des terres et ce qui est de la mer. Donc il s'agit d'augmenter par exemple tout ce qui est l'agriculture biologique, les questions de paysages riches en biodiversité, les terres agricoles, d'essayer d'arrêter ce déclin des pollinisateurs. Il y a aussi toute la question des rivières. Alors, par exemple, la Loire est un bel exemple de rivière à flot libre, avec
des bords qui n'ont pas été bétonnés pour la plupart, mais ce n'est pas le cas pour le reste de l'Europe. Et en Europe, si j'ai bon souvenir, il y a 25 000 kilomètres de rivières, de bords de rivières restaurés. Il y a toute la question des pesticides. On voudrait réduire de 50% l'utilisation des pesticides d'ici 2030. Il y a aussi la stratégie forêt qui va fixer des objectifs en matière aussi de replantation de 3 milliards d'arbres d'ici 2030. Donc ça, c'est pour la restauration des écosystèmes. Alors, le troisième axe de la stratégie, ça va être de débloquer environ 20 milliards d'euros par an pour les objectifs de biodiversité. Donc, il y aura vraiment un budget conséquent consacré à ça. Et de nouveau, comme pour toutes tous les volets stratégiques, pratiquement, il y a un volet international pour lequel la Commission travaille pour la préparation de la conférence des parties sur la diversité biologique qui devra avoir lieu l'année prochaine. Donc voilà un peu en résumé. Mais bon, il y a beaucoup plus que ça. Il y a la stratégie de la ferme à la fourchette ou de la ferme à la table. Je crois qu'en français, on dit… En anglais, c'est F2F, farm to fork. Je crois qu'en français, c'est la ferme à la table, qui vraiment examine toute la chaîne de valeur depuis les cultures. On essaie de diminuer pas seulement les pesticides, mais aussi les pertes de nutriments, l'utilisation d'antimicrobiens. Il y a toute la chaîne alimentaire où on doit assurer que chacun a un revenu suffisant, qu'il n'y a pas des parties de la chaîne qui sont coincées entre des exigences intenables au plan économique. Et puis, il y a toute la question de l'alimentation. Il y a, je pense, si je n'ai pas une grande mémoire des chiffres, mais je pense qu'on a compté 950 000 personnes en Europe en 2018 qui sont mortes directement des causes d'une alimentation malsaine. Donc, l'Europe va certainement engager des actions, au moins de communication auprès des consommateurs pour consommer, par exemple, plus de légumes, avoir une alimentation plus saine. C'est un combat sur lequel l'Union européenne doit s'engager. Je me permets de rebondir pour vous donner une autre question pour la suite du débat. Donc, la médiatrice européenne Emily O'Reilly vient de dénoncer hier l'attribution par la Commission européenne d'un contrat de conseil au fonds BlackRock. Ce contrat de conseil porte sur une mission d'expertise afin d'intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les règles bancaires. Or, BlackRock est l'un des plus grands financeurs mondiaux de l'industrie et des énergies fossiles. Que pensez-vous de ce conflit d'intérêts manifeste? Ne risque-t-il pas de compromettre gravement la politique climatique européenne? Alors, d'abord, je voudrais dire que, d'abord, il y a pour moi manifestement conflit d'intérêts. Et la médiatrice le dit clairement, c'est évident depuis le début. La question est de savoir si... la Commission européenne et les évaluateurs de la Commission européenne ont appliqué les règles qu'elles étaient censées appliquer. Et là-dessus, la médiatrice ne dit pas que la Commission n'a pas appliqué ses règles. Elle dit qu'elle aurait dû être plus attentive à ça, mais en réalité, elle ne demande pas à la Commission d'annuler le contrat. Et peut-être pour rassurer quand même notre participant qui est préoccupé par ça, et je comprends qu'on soit dérangé par ce genre de résultat, mais malheureusement, ça m'est arrivé à moi aussi de lancer des appels d'offres avec certaines règles et de m'apercevoir qu'après l'évaluation technique qui a été faite, le contractant choisi n'est pas tout à fait satisfaisant, mais sur le plan juridique, on n'a pas de moyen de l'éliminer et les attributions peuvent être contestées en justice. Alors, il faut aussi dire que ce contractant n'est pas le seul qui va conseiller la Commission. Donc, la Commission ne prend pas ses opinions uniquement
d'un consultant, ce sera une voie comme une autre, et on peut aussi argumenter que parfois, comme on dit, il n'y a rien de tel qu'un gouvernement socialiste pour libéraliser un secteur ou un gouvernement conservateur pour faire du social, parce qu'il est peut-être plus crédible. Il n'est pas impossible d'imaginer que le contractant, vu son image, essaie de se montrer en fait assez ambitieux. Et on peut aussi se dire que si un tel contractant fait des propositions, il va être difficile de le contredire dans son secteur, c'est-à-dire parmi les intérêts qu'il défend. Donc, pour moi, il y a aussi peut-être certains avantages qui peuvent être utilisés. Mais bon, je partage tout à fait l'idée qu'il y a un conflit d'intérêts. Et pour rebondir sur l'énergie, il y a une question qui vient d'être posée. Vous êtes une spécialiste des énergies. Pouvez-vous nous éclairer sur l'implication de l'Union européenne pour développer l'hydrogène obtenu à partir des énergies renouvelables ? Alors, l'hydrogène a fait effectivement l'objet d'un... Et ça tombe bien qu'on en parle parce que c'est justement la semaine de l'hydrogène. Donc, toute cette semaine, la Commission européenne est occupée avec les partenaires sur le développement de l'hydrogène. Donc, ça fait partie aussi de son action sur l'hydrogène. Alors, peut-être ce qu'il faut expliquer en préalable, c'est que cette stratégie hydrogène vient pour complémenter une stratégie qui est, pour moi, extrêmement importante, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est l'idée qu'il faut penser non plus des silos énergétiques avec le pétrole qui fournit de l'énergie au transport, et puis le gaz qu'on utilise dans le chauffage, et puis les énergies qui servent à produire de l'électricité. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est réfléchir en termes de système avec une circularité du système, une intégration entre les niveaux de production, de transport, de distribution, mais aussi entre les consommateurs d'énergie, c'est-à-dire entre le secteur du transport, le secteur de la production d'électricité, le secteur de la chaleur avec l'industrie. Donc, par exemple, récupérer la chaleur de centres de données ou d'entreprises pour l'insérer dans des systèmes de chauffage urbain, qu'on appelle ça en français, je crois, les systèmes de chauffage urbain. Ça va être un système qui est beaucoup plus aussi multidirectionnel, c'est-à-dire que les consommateurs vont pouvoir aussi participer au système, réinjecter l'énergie qu'ils produisent, échanger entre eux de l'énergie qu'ils produisent, et ça va être un système beaucoup plus décentralisé que le système actuel. Donc ça, c'est un peu pour l'intégration du système. Alors, dans cet écosystème, si vous voulez, énergétique, l'hydrogène joue un rôle particulier parce que l'hydrogène peut servir d'abord de matière première dans l'industrie, de vecteur pour transporter de l'énergie et de solution de stockage pour différents types d'applications. Pas tellement sur le système électrique, peut-être un tout petit peu marginalement, mais surtout pour des solutions stationnaires de stockage de l'électricité. Alors, la priorité de la Commission européenne, c'est évidemment l'hydrogène renouvelable, mais il faut savoir que dans une période de transition, on va aussi avoir de l'hydrogène, comme on l'appelle bleu, je crois, c'est-à-dire de l'hydrogène qui est produit à partir d'énergies fossiles, mais qui est décarboné à la sortie avec des technologies de captage du carbone et de séquestration ou d'utilisation du carbone. Alors, la stratégie pour l'hydrogène fixe des objectifs, c'est-à-dire elle fixe l'objectif d'avoir une production de 6 gigawatts dans l'Union européenne d'ici 2024 et puis de monter à 40 gigawatts de capacité d'électrolyse en 2030. Alors, ce sont des quantités gigantesques. Beaucoup de gens disent que c'est irréaliste, mais je voudrais quand même relativiser ces objectifs parce que si vous regardez, par exemple, la capacité du parc
de production de l'électricité, 6 gigawatts, c'est seulement 0,6% grosso modo de la capacité électrique, donc ce n'est pas une capacité gigantesque non plus, mais c'est extrêmement ambitieux. Et ce que l'Europe voudrait faire, c'est pousser à la fois du côté de l'offre, donc en soutenant l'offre, par exemple avec des programmes de recherche, une alliance. Alors, je sais pas, j'ai pas beaucoup parlé de la politique industrielle parce qu'on n'a pas terminé sur le pacte au départ, mais un des outils que la Commission utilise maintenant pour la politique industrielle, ce sont ces alliances qui rassemblent tous les acteurs autour d'un secteur. Donc, depuis les autorités publiques, les universités, les centres de recherche, les industriels concernés, mais aussi leurs fournisseurs, les grandes entreprises, toutes petites entreprises, sur des plateformes pour les faire collaborer et essayer d'éliminer tous les obstacles et travailler sur toute une chaîne de production. Alors, on a déjà lancé une alliance sur des batteries en 2017, pour lequel il y a eu une réunion, je crois, la semaine dernière, qui montre qu'on a énormément avancé sur des batteries. Et d'ailleurs, on envisage déjà de pouvoir être quasiment autonome d'ici une dizaine d'années pour nos besoins en batterie, ce qui serait un succès pour moi phénoménal. On envisage même l'idée de pouvoir exporter des batteries d'Europe. Donc, ce sont tous de nouveaux investissements qui s'installent. Et on vient de lancer ce type d'alliance pour l'hydrogène. Donc, aussi sur l'hydrogène, on rassemble tous les acteurs pour faire avancer la filière. Il y a évidemment des financements en matière de recherche. Et puis, il va y avoir toute une série de travaux dans le domaine des normes, parce qu'on a besoin de normes, notamment pour la sécurité du stockage de l'hydrogène, qui n'est pas complètement sans danger au niveau du stockage. Et puis, on est en train d'identifier tous les obstacles au développement de l'hydrogène. Et là-dessus, il y aura aussi probablement dans un paquet qui va sortir l'année prochaine sur le système gazier et comment on va coupler le système gazier au système électrique, parce qu'il s'agit de faire ce qu'on appelle le power to gas. On va aussi agir sur le niveau des infrastructures de transport pour financer, dans le cadre de tous ces projets d'intérêt commun européen, des infrastructures de transport de l'hydrogène. Donc, on va vraiment agir sur tous les leviers, à la fois au niveau de l'offre et au niveau de la demande, pour essayer de développer cette expertise qu'on a en Europe, où on a quand même un leadership mondial, on est quand même, je crois qu'on est les meilleurs, au moins pour quelque chose, en hydrogène vert. Et on veut maintenir ce leadership et agir sur ça. Alors, il faut savoir, on n'est pas en train de parler de la panacée qui va résoudre, comme certains ont l'air de dire, qui vont résoudre tous les problèmes du verdissement de la politique énergétique. Ça reste quand même, à mon avis, une technologie qui va rester relativement coûteuse, mais qui va être indispensable pour décarboner certaines applications, certains types d'industries qu'on a du mal à décarboner et qu'on a du mal à électrifier. Donc, par exemple, l'industrie du ciment, de l'acier, je crois dans l'industrie du verre aussi, essayer d'utiliser l'hydrogène dans ces secteurs, aussi pour le transport lourd, par exemple, pour les voies de chemin de fer, les trains qui fonctionnent encore au diesel, pour lesquels ce serait très cher d'électrifier, on pourrait utiliser l'hydrogène. On pourrait utiliser l'hydrogène dans le maritime, dans le transport maritime aussi, peut-être aussi dans le transport routier lourd. Donc, on est en train d'essayer de développer toutes ces activités, de les encourager, de créer des réseaux de distribution et de recharge, parce qu'il y a une question de poule et de l'œuf. On va l'utiliser comme carburant s'il y a des points de recharge. Donc, il faut travailler sur les points de recharge aussi. Et là-dessus aussi, on a déjà pas mal avancé. Même s'il reste encore des efforts à faire, voilà, il y a des pistes en tout cas assez concrètes. Je me permets de rebondir sur un autre système, celui qui nous a été posé par le chat, c'est le circuit court. La question est, pour éviter les émissions de gaz à effet de serre dues au transport, est-ce que le pacte vert favorise les circuits courts à l'échelle nationale? Alors, je dirais, a priori, oui,
Alors, c'est une question compliquée. Moi, je ne suis pas une experte des questions agricoles. Alors, il y a dans la, déjà dans la PAC précédente, mais dans la réforme de la PAC, il y a des financements qui sont prévus pour favoriser les circuits courts. Les circuits courts, c'est aussi beaucoup l'agriculture biologique qui est nettement promue dans la nouvelle PAC et dans les propositions du Pacte vert. Je pense qu'un des gros problèmes qui se pose, c'est la question des coûts du transport. Le problème est que le transport international ne paie pas pour ses externalités. C'est-à-dire, ne paie pas. Il n'y a pas de taxe sur le kérosène lourd, cette espèce de masse qu'on trouve dans les soutes qui remplissent les soutes des navires qui transportent beaucoup de produits agricoles à travers les océans. Et un des problèmes, c'est que le jour où on arrivera, et c'est ce à quoi aussi la Commission travaille au niveau international au sein de l'IMO, comme on dit ça, International, l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, pour essayer de limiter les gaz à effet de serre. Vous savez que le Parlement voudrait qu'on inclue le secteur maritime, le secteur du transport maritime dans le système d'échange de quotas d'émissions. Donc, ce serait une façon de leur faire payer pour leurs émissions. Donc, je pense qu'il y a tout un volet transport aussi. Ce n'est pas seulement un volet d'agriculture de proximité. Très bien, merci pour cette réponse. Alors, l'heure tourne, voilà, on va devoir déjà aborder la dernière question, enfin, pour conclure. La question, je l'adresse parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont ici ce soir, et donc il y a une question qui vient d'apparaître qui est: pensez-vous que les métiers en lien avec l'environnement sont ceux du futur? Voilà, c'est oui. Une question, j'imagine, d'une étudiante qui s'inquiète de son avenir professionnel. alors, moi, je suis absolument convaincue qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers, des millions d'emplois qui vont se créer dans tous ces métiers du futur. Et personnellement, je pense que ce sont des emplois attirants, j'allais dire attractifs, attirants, on dit en français, parce que ce sont des emplois qui donnent quand même plus de sens à ce qu'on fait. Alors, il y a tous les emplois dans le domaine de la recherche sur les sujets, il y a tous les domaines du renouvelable, à la fois au niveau de l'ingénierie, l'installation, l'entretien, les services offerts. Il y a toute une série d'emplois auxquels on ne pense pas souvent dans ce domaine, qui sont dans le numérique, parce qu'on va utiliser, on va énormément numériser le système énergétique, on va avoir des réseaux électriques intelligents, on va avoir beaucoup de domotique, donc beaucoup de services informatiques, des services offerts aux gestionnaires de réseaux électriques, donc par exemple des nouveaux services d'agrégation de la demande qui permettent de faciliter l'équilibrage des réseaux électriques par rapport à l'intermittence de l'éolien et du solaire, pas de toutes les énergies renouvelables, mais quand même de l'éolien et du solaire. Donc il y a beaucoup de métiers là, il y a beaucoup à faire au niveau des initiatives locales, des services pour, par exemple, organiser des communautés locales de l'énergie, ou par exemple, une communauté se mettrait en place au niveau local pour transférer de la chaleur d'un centre de données, avoir des panneaux solaires sur l'école voisine qui alimente en électricité plusieurs personnes locales avec des systèmes de batterie. Donc, tout ça demande une gestion et une organisation, des calculs, des services d'ingénierie qui créent aussi de nouveaux métiers. Donc, je pense qu'il y a... Et puis, il y a tout le transport, tout le secteur du transport, toute la mobilité, où il faut organiser une mobilité beaucoup plus intelligente, où les différents modes de transport sont beaucoup mieux intégrés, où on peut se connecter. Pour le moment, quand vous achetez des billets de chemin de fer, si vous devez traverser l'Europe, vous achetez des billets dans chaque pays, à chaque station, on devrait pouvoir avoir des billetteries européennes centralisées. Il y a des tas d'idées à avoir. Donc,
Je pense que de ce point de vue-là, et puis il y a tous les métiers de la rénovation, on n'a pas parlé, c'est un volet important, on n'a pas du tout parlé de l'initiative européenne qui est très importante sur la rénovation des bâtiments. On a d'énormes ambitions en matière de rénovation des bâtiments, et là aussi il y a une masse d'activités, ce n'est pas seulement l'isolation de ces bâtiments, c'est numériser ces bâtiments, les rendre plus efficaces en termes de consommation, faire en sorte qu'ils puissent non seulement produire de l'énergie, mais éventuellement réenvoyer de l'énergie sur le réseau s'ils produisent plus qu'ils ne consomment. Donc il y a vraiment énormément d'activités. Il y a toute l'activité de l'audit, des audits énergétiques, des grosses entreprises, des petites entreprises, pour essayer de réduire leurs factures énergétiques, mais aussi être plus efficaces, donc polluer moins. C'est à l'infini. À l'infini, c'est la bonne nouvelle du pacte vert. Alors, il faut reconnaître qu'il y a des perdants. Il y a des métiers qui vont disparaître, comme les opérateurs de téléphone qui rebranchaient les personnes qui parlaient entre elles, qui les branchaient à la main. Elles ont disparu. C'est triste, mais je pense qu'il faut vraiment que l'industrie fasse un effort pour identifier les compétences qu'ils ont et qui peuvent être réutilisées dans d'autres domaines d'avenir. Donc, il y a des gens en Europe qui ont des compétences formidables sur la maintenance des plateformes gazières ou des plateformes pétrolières et qui devraient être reconvertis pour tout cet énorme potentiel qu'on a de production d'énergie en mer. Il faut placer des câbles, il faut connecter les champs. On va avoir une énorme ferme éolienne en mer du Nord. Il faut la connecter, donc il y a tout le placement des câbles, etc. Et pour tout ça, il y a des gens qui ont des compétences, mais il faut les reconvertir sur ces nouvelles activités. Et je pense que c'est une des responsabilités des syndicats qui doivent vraiment prendre ça au sérieux, parce que ce serait dommage que des travailleurs dont on sait à l'avance que certaines activités vont disparaître, parce que le pétrole et le gaz n'ont pas d'avenir. Donc, on sait qu'il y a des métiers qui vont disparaître, on sait que ces gens sont attachés, comme les mineurs. Moi, j'ai visité des mines en Allemagne, je me souviens de ces mineurs qui étaient attachés, et il y a une fascination d'être travailler dans la mine, c'est terrible, donc il faut leur donner de nouveau, un nouveau sens, une nouvelle formation. Et il y a des tas de métiers où on manque de travailleurs. Dans le domaine du bâtiment, pour tout ce qui est les nouvelles isolations, on manque de travailleurs qualifiés. Donc, il y a un potentiel, il y a des travailleurs qu'il va falloir reconvertir, et il faut vraiment que les pouvoirs publics et les syndicats s'y mettent. Oui, il y a vraiment beaucoup de possibilités qui pour l'avenir, et il y a surtout beaucoup d'actions à mettre en œuvre pour relever les défis climatiques. On va devoir arrêter la webconférence parce que voilà, on s'était fixé un temps. Merci beaucoup, Madame Outman, pour la qualité de votre intervention. Vous êtes aussi bien passionnée que passionnante. Et vous avez en tout cas suscité moult questions qu'on n'hésitera pas à vous transmettre, comme on l'a dit à plusieurs reprises dans cette webconférence. Guettez vos mails et puis guettez le site internet de la Maison de l'Europe où seront mises en ligne les réponses qu'apportera Madame Outman sur ces questions-là. Et on aura grand plaisir à. Bonne soirée à tous. J'espère que la prochaine fois, on se voit à Rennes. Oui, on vous invite avec grand plaisir sur Rennes. Tant que j'ai la parole, je profite pour remercier quelques personnes. Donc, remercier Marie et Gilles Clinchard de l'association Vivre Ensemble en Paix qui m'ont beaucoup aidé à mettre en place cette conférence ce soir. Mais aussi Michel Levert, Bertrand Fortin, et toute l'équipe de la MIR pour le soutien organisationnel. Et puis Laetitia Casimir pour le soutien technique qui était très précieux.
Je tiens aussi à remercier la représentation en France de la Commission européenne, la région Bretagne et Rennes Métropole qui nous soutient sur ce projet. Et enfin, pour terminer, parce qu'on est dans une dynamique d'organiser des webconférences, j'en profite pour vous inviter à la prochaine webconférence organisée par la Maison de l'Europe de Rennes et Haute-Bretagne avec le World Trade Center Rennes-Bretagne qui donc va se dérouler lundi prochain, le 30 novembre à 18h, avec un intervenant aussi de qualité comme vous, Madame Houtman, qui est donc Dominique Moisy, mais sur un autre sujet, autour de l'Amérique de Joe Biden et le monde de 2021. Donc Dominique Moisy est un géopolitologue français et c'est le conseiller spécial de l'IFRI, donc l'Institut français des relations internationales. Donc voilà, n'hésitez pas à retrouver toutes les informations pour vous connecter sur le site internet de l'association. Et enfin, pour terminer, parce que cet événement a été organisé dans le cadre du Festival de solidarité qui n'est pas fini, on vous invite à vous connecter également au site de la Maison de l'Europe, de la Maison internationale de Rennes, pardon pour le lapsus, où vous retrouverez tout le programme pour les événements à venir. Merci à tous les participants pour votre présence et votre réactivité sur le chat. On vous tient au courant prochainement pour la suite. Et à bientôt, en tout cas, pour d'autres rendez-vous. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Merci à Clara et merci Madame Houtman. Au revoir. Merci. Très bonne soirée.